Saint du Saint, il existe depuis le XVIIe siècle. Donc ça fait 13 générations, donc Jean-Paul et moi, on représente cette fameuse 13e génération. Il y a beaucoup de 13 hein, chez nous. 13 hectares, 13 générations, donc il n'y a pas de 13 cépages, mais on n'est pas loin quand même. Hein. Donc on est sur Orchuir depuis 1691. Isley Iodocus, notre ancêtre, est un Suisse qui vient du canton de Luzerne et s'est marié avec une Alsacienne, donc Barbara Vogel. Et c'est ici, hein, au 57 Grand Rue, qu'ils ont créé ce domaine Valentin du Saint. Donc, Valentin, c'est le prénom de notre grand-père. Donc, domaine qui est passé en biodynamie il y a 15 ans maintenant déjà. Donc, sous l'initiative de notre père, Jean-Marie, qui il y a 15 ans s'est dit bah, il faut vraiment qu'on aille dans une autre direction pour bien sûr la qualité des vins, mais pour le respect des terroirs aussi. Et pour le respect de notre santé. De l'homme. De l'homme, de l'animal, de l'insecte, enfin de tout. C'est un respect global. Principalement sur trois terroirs, donc ça c'est aussi pour nous très important. On est sur trois types de sol et de sous-sol qui sont vraiment très différenciés, que nous on différencie. Et donc on est d'abord sur le Bollenberg, donc Bollen, donc en allemand c'est les cailloux, Berg, la colline. Donc là on est vraiment sur de l'argile et du calcaire, avec de l'oxyde de fer qui donne un sol vraiment très rouge, très typique. Ensuite, on est sur un monopole qui s'appelle le Clos Liebenberg. Donc ça, c'est notre monopole de la famille. Donc, Lieben, en allemand. L'amour. Ouais, bien. Donc, colline de l'amour. Donc là, c'est un clos qui fait 3 hectares et demi. Donc, un magnifique site avec une très belle biodiversité. Donc, complètement clôturé, d'où le mot clos. Avec des murets de pierre, des coulées de pierre, mais aussi après des haies hein, qui ont été remises un petit peu en place, avec un magnifique troupeau de moutons qui est pâture d'hiver, donc une fumure naturelle en plus, c'est bien. Et le dernier terroir, pardon, c'est le Grand Krupfinsberg. Donc là, nous sommes sur une zone donc, d'appellation Grand Cru, AOC Grand Cru. Donc là, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu pour avoir cette appellation. Donc nous sommes plein sud, sud-sud-est, toujours. Hein, ça, c'est un des paramètres, on va dire, pour avoir l'appellation. Toujours minimum 250-300 mètres d'altitude. Et 4 cépages, uniquement 4 cépages. Bah déjà, il faut vraiment connaître son environnement. Hein. Savoir quelles sont les conditions climatiques. Est-ce qu'on est dans un endroit très humide? Est-ce que l'endroit est plutôt chaud, très, très venteux? Enfin, voilà, il y a des choses simples. Bon, moi, j'ai pas de problème avec ça parce que je suis dans mon village depuis que je suis né. Avoir développé son sens de l'observation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pousse dans ma vie? Est-ce que les différentes plantes qui poussent au niveau du sol sont diversifiées? Ou est-ce qu'il n'y a qu'une seule plante? Et tout ça va te donner une indication sur l'état de ta vigne? Une parcelle de vigne, par exemple, où il y a que du pissenlit, ça va être une parcelle où il y a un déséquilibre. Souvent, c'est des parcelles où il y a une fumure qui est trop azotée, qui a été amenée sur cette parcelle-là. Quoi. Donc nous, ce qu'on fait sur le domaine du Saint, bah, c'est qu'on va, on va estimer la vigueur de la vigne. Donc ça va être en fonction de la longueur des rameaux, la longueur des branches, de l'épaisseur, et puis ce qu'a donné la vigne en quantité de raisin. Donc une vigne qui a été trop productive, on va pas amener de compost, on va rien amener du tout. Par contre une vigne un peu faible, on va amener un peu de compost une année, puis on va voir comment ça se comporte l'année d'après, et puis les années suivantes. Quoi. Donc il n'y a rien de systématique, c'est vraiment d'appréciation visuelle au cas par cas. Il y a des parcelles, si on a une fertilisation qui est régulée et bien maîtrisée, on a beaucoup moins de problèmes de maladies dans les vignes.
il faut faire en sorte que la racine soit bien implantée dans le sous-sol et pas rester en surface. En surface, ouais. Donc, ça peut être le cas parfois, surtout en culture intensive, en chimie, hein, la racine reste à 30-40 cm du sol. Tout simplement parce que l'homme apporte les éléments dont elle a besoin par l'extérieur. Donc nous, ce qu'on veut, en biodynamie surtout, c'est que la racine puise les éléments dont elle a besoin pour vivre, hein, pour donner des beaux raisins équilibrés avec de beaux minéraux, qu'elle puise tous ces éléments dans le sous-sol. Parlant du millésime 2003, là, comme on en parlait justement, bah c'est le premier millésime où il y a des vignerons conventionnels qui sont venus nous voir en nous demandant ce qu'on avait fait dans les vignes. Parce que l'ensemble du vignoble alsacien souffrait quand même de sécheresse. Hein, puisque il y avait un été vraiment caniculaire, il manquait d'eau. La plupart des vignes, quand elles manquent d'eau, elles commencent à avoir un feuillage qui jaunit, elles perdent des feuilles au niveau du tronc. Ouais. Et puis après, ça va beaucoup plus haut. Et puis là, nos vignes, elles tiennent le coup. Il y a quelques vignerons qui nous ont demandé ce qu'on avait fait. Quoi. C'est un travail en biodynamie. Hein. Aujourd'hui, on essaye de demander aux racines d'aller le plus profondément dans le sol. Le fait d'avoir des racines uniquement en surface, rend la vigne très sensible à son environnement. Quoi. Donc s'il pleut beaucoup, elle va absorber énormément d'eau. Pendant les vendanges, par exemple, les raisins ils vont se gorger d'eau. Et s'il fait très chaud en été, la vigne va souffrir très rapidement. Quoi. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, ouais, c'est de dire à la racine, à la vigne, descends tes racines dans le sous-sol pour être moins sensible à son environnement. Et par là, souffrir moins de la sécheresse ou pendant les vendanges, dégonfler moins les raisins. Donc voilà, on est les premiers aujourd'hui, on était les premiers à avoir commencé la biodynamie dans le village. Puis aujourd'hui, il y a 4-5 qui s'y mettent aussi. Alors, en vinification, le travail est assez simple. On essaie d'avoir les raisins les plus qualitatifs et les plus sains possibles. Donc il y a énormément de boulot dans les vignes pour arriver à ça. Après, au moment des vendanges, on fait plusieurs tris, des tris successifs. Donc dans les vignes, avec les vendangeurs, on leur explique bien les différents stades de maturité des raisins et puis aussi les différentes pourritures qu'on peut éventuellement avoir. Donc, tout ça, on écarte. On prend les plus beaux raisins, on va les presser donc avec des pressoirs pneumatiques qui respectent la qualité des raisins. Donc les pressoirs ils sont juste au-dessus des cuves. Le jus il va couler par gravité dans les cuves. Le pressurage dure environ 8 à 12 heures selon les vins. On va débourber. On va envoyer le jus de raisin dans ces cuves en bois. Et là va démarrer la fermentation alcoolique. Une fois que les levures ont fini leur travail, elles vont se déposer au fond de la cuve. Donc là, ce que je viens de faire, c'est un soutirage. Donc on va séparer la partie claire du vin, de ces lits. Les lits qui sont au fond de la cuve, hein, donc c'est très épais. Est-ce que tu appliques des principes de biodynamie à la cave? Comment tu travailles? Est-ce que tu calcules du calendrier lunaire? Ouais, pour les travaux de cave, je vais consulter le calendrier des semis. Donc calendrier semis qui reprend les différents rythmes. Donc rythme de la Lune, des planètes du système solaire, des différentes constellations. Donc il y a des éclipses ou des oppositions de certaines planètes. Tout d'un constaté des anomalies dans le vivant. Quoi. Donc on va éviter de travailler ces jours-là. Et en plus du calendrier des semis, on va aussi prendre compte des marées. Donc les marées qui vont avoir une influence aussi sur le vin. Donc les coefficients de marée, lorsqu'on a des coefficients de marée qui sont bas, les vins sont tranquilles, souvent ils fermentent très très peu. Et puis à l'opposé, lorsqu'il y a des coefficients de marée qui sont très très hauts, alors on a une activité levurienne ou bactérienne qui est très vive. Donc par exemple, pour faire fermenter un vin, on va faire un travail pendant des coefficients de marée qui sont très, très élevés. Quoi. Et pendant les coefficients de marée bas, c'est des jours où on va filtrer les vins ou faire des mises en bouteille. Donc
D'accord. Ces jours-là, pour justement éviter qu'il y ait des levures. D'accord. Donc c'est une méthode vraiment très très simple, ça nous évite d'ajouter des produits nocifs. Donc là, les vins aujourd'hui, ils ont rien reçu, pas de levure, pas de lactérie, c'est pas chaptalisé, rien du tout. En œnologie, on pourrait rajouter 300 produits différents. Et là, dans le millésime 2011, il n'y a rien. On rajoute juste un peu de soufre avant la mise en bouteille, avant la filtration. Ça dépend de l'évolution du vin. Pour protéger les vins. Pour protéger le soufre, pour protéger les vins d'oxydation. Mon père et mon grand-père, ils ont toujours travaillé avec des foudres. Il y a d'autres cuves aussi, des cuves en inox, des cuves en béton. Moi, quand je suis arrivé sur le domaine, je me suis posé la question, qu'est-ce qui est le mieux pour le vin? Est-ce que c'est la cuve en inox, le béton, la fibre de verre? Il existe plusieurs types de cuves aujourd'hui, quoi. Et du coup, les premières années, on a pris le même vin, qu'on a mis en bois, en béton, en inox. Et il se trouvait que le vin qui passait en bois, c'était le plus harmonieux, plus équilibré, on a plus de gras. C'est le vin qui nous plaisait le plus, quoi. Donc, on met beaucoup l'accent aujourd'hui sur la digestibilité du vin. Mm-hmm. Un vin qui soit sain pour le corps et qui soit pas du tout agressif. Mm-hmm. Donc, c'est la somme de toutes ces petites choses. Toutes ces petites attentions qui font que le produit est bon. Aujourd'hui, un vin qui est en vinamie va souvent être meilleur, ce qui n'est pas systématique. Hein. Les vignons en vinamie ils sont beaucoup plus consciencieux. Et ils sont très attachés à la qualité du vin. Donc ça va améliorer la qualité du vin. On va avoir des vins qui sui plus résistants à l'oxydation, qui vont mieux tenir dans le temps, mm-hmm. qui seront aussi plus digestes. Hein. On a des vins qui sont moins agressifs, qui sont plus doux, qui plaisent davantage. Mm-hmm. Voilà. Bon, j'ai rentré, hein, c'est le retour de non, l'opinion. Mais bien sûr, mais les vins vivants, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on nous dit. Ouais, les vins vivants, ouais. Les gens, ils ont envie que ça leur fasse du bien. Mm-hmm. Et c'est ce qui ressort souvent après la dégustation, les gens qui reviennent vers nous, ils disent c'est vraiment un plaisir. On n'est pas malade après, pas mal de tête le lendemain. C'est d'abord produire du plaisir. Faire des vins de plaisir, que les gens goûtent du vin vivant et qu'ils se fassent du bien. Et que nous, du coup, on est contents parce qu'on procure du plaisir aux autres. Mais c'est aussi se faire plaisir au quotidien. Ouais, et des bonnes soirées entre amis. Parce que c'est pas tout d'en parler, mais voilà. Hein, ça se déguste avant tout.